Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Ils étaient au total 154 personnes à franchir les portes de l'hôtel du gouvernement ce matin à l'occasion de la journée porte ouverte organisée chaque vendredi à la primature. Elle est partie en quatre écoles, à savoir le complexe scolaire La Borne, Hosanna ainsi que Glessidra. Élèves et encadreurs ont visité tour à tour le bureau du tout premier ministre congolais, Patrice Emery Lumumba, la salle des réunions, la salle d'attente, la galerie photo. Ils ont eu droit aux explications relatant l'historique de la primature. Ensuite, les hôtes de l'hôtel du gouvernement se sont rendus au jardin des premiers, point de chute de cette visite, où ils ont été rejoints par l'actuel locataire de l'hôtel du gouvernement. Après une succession de discours prononcés par les élèves visiteurs, Matata Ponyo a exhorté ces derniers aux études, gage de la réussite. Et c'est avant de se livrer à une série de questions-réponses avec ses hôtes en vue d'inciter la jeunesse à la connaissance de l'histoire du pays. Nous, on nous a dit que nous avons 2-0 des héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Voilà, applaudissez. Un moment qui restera gravé dans la mémoire de ses élèves et encadreurs qui se disent impressionnés par la disponibilité du chef du gouvernement. Nous avons été très bien reçus. Nous avons eu une très charmante dame qui était notre guide et qui nous a visité les différentes salles de la primature, surtout le bureau de l'ancien premier ministre, Patrice Emery Lumumba. Et nous avons été également dans la salle d'attente où sont exposés tous les portraits des premiers ministres qui ont défilé ici à la primature. C'est par la remise des statuettes de Lumumba ainsi que du document relatant l'historique de la primature par le premier ministre aux élèves, la photo des familles ainsi que le cocktail offert au jardin des premiers que s'est clôturée cette journée porte ouverte. La clinique Ngaliema a désormais son centre de chirurgie pédiatrique. L'initiatrice de cette œuvre n'est autre que la première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila. Elle a procédé ce 20 mai à son inauguration en présence du ministre des ITPR et autres autorités du pays impliquées dans la construction de ces beaux bijoux qui vient de répondre à un besoin majeur dans le secteur de la santé, notamment celui lié aux opérations de cardiologie pédiatrique, digestif, neurologique, opération à cœur ouvert et autres. Marie-Olive Lembe Kabila, fière d'avoir été entendue par le gouvernement de la République démocratique du Congo, a exprimé ses sentiments de joie, surtout de satisfaction. D'abord, ce que nous devons retenir, c'est que sans la paix, il ne peut pas y avoir ni initiative, ni réalisation, ni pose des premières pierres, ni inauguration, ni soins, ni traitement, ni rien du tout. Sans la paix, il y a la mort. Cette initiative m'est venue à l'époque où j'ai eu mon fils, Laurent Désiré Kabila, en ce même hôpital. Ngaliema ici. Et vu l'état de l'hôpital à cette époque-là, j'avais pensé que c'est vrai, peut-être
que ceux qui ont un peu plus de moyens souvent partent accoucher ou se faire soigner ailleurs parce qu'il y a certaines choses qui manquent. C'est comme ça que j'avais proposé au président de la République de nous aider parce que personnellement, je ne peux pas réaliser quelque chose d'une si grande ampleur avec mes moyens. Financé totalement par le gouvernement de la République démocratique du Congo, ce centre répond aux normes internationales requises. Une délégation de la commission de l'Association mondiale des organes de gestion des élections conduite par M. Kim Yong-ri, président de la commission électorale nationale de la Corée du Sud et secrétaire général de cette association qui séjourne en République démocratique du Congo, a rencontré ce vendredi les membres du bureau de la CENI dans le cadre du protocole d'accord qui lie la CENI et la Corée du Sud. Ensemble, ils ont examiné la mise en œuvre de certaines orientations sur les renforcements des capacités, mais aussi dans la transmission rapide et sécurisation des données électorales. Grande délégation de la commission électorale sud-coréenne, conduite par son secrétaire général, c'est l'équivalent du président en Corée, mais il est en même temps secrétaire général du réseau mondial des commissions électorales. Il est arrivé dans le cadre du protocole d'accord qui nous lie avec, qui lie la commission électorale nationale indépendante de la RDC à la commission sud-coréenne. Et c'est dans ce sens qu'il est venu pour la mise en œuvre de certaines orientations qui ont été prises, entre autres sur le renforcement des capacités, sur les études stratégiques qui peuvent nous lier, nous mettre ensemble, mais aussi et surtout pour la question de la transmission rapide et sécurisée des données électorales. Ils vont séjourner au Congo pendant, ils ont plus ou moins une semaine sur le territoire congolais. Et à partir de Kinshasa, ils vont visiter l'un de nos sites provinciaux. Je pense que cela sera le secrétariat exécutif provincial du site Kivu à Bukavu. Cette délégation prévoit des rencontres avec les autorités congolaises, acteurs politiques et sociétés civiles pour l'amélioration des processus électoraux. Bien que la liste des délégués de l'UDPS au comité préparatoire du dialogue traîne encore, cela ne constitue pas une raison pour les facilitateurs du dialogue et Edem Kodjo d'y croiser les bras. Il vient enfin de constituer un groupe de travail composé rien que des délégués de la société civile. Ce groupe est déjà à pied d'œuvre, comme pour dire que le dialogue national a commencé ses premiers pas, a déclaré les facilitateurs du dialogue. J'ai constitué un groupe de travail qui est le prêt, qui va s'attaquer au travail que le comité préparatoire devait faire. Et ce groupe de travail, je l'ai réuni même aujourd'hui, ce matin, de 10h à 11h30, pour un premier contact. On a fait un large tour d'horizon dans cette salle même, c'est pas disposé comme ça. Autour de la table et nous avons abordé toutes les questions qui étaient nécessaires à ce stade-ci de notre premier contact et nous avons convenu qu'une prochaine rencontre aura lieu de manière tout à fait officielle en votre présence pour qu'on aille de l'avant parce que je ne veux pas attendre cette liste indéfiniment et courir le risque de ne jamais la voir. Et je crois que beaucoup de gens ne comprendraient pas non plus que face à cela, nous restions les bras croisés à ne rien faire. Alors je tenais à vous annoncer cela, vous dire que selon moi, le dialogue a commencé ses premiers pas et nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin. La liste de l'UDPS promise depuis le 10 mai
est toujours la bienvenue. Edem Kodjo précise qu'il ne faciliterait jamais les dialogues sans l'opposition, donc sa main reste tendue à toute l'opposition qui hésite encore. La situation sécuritaire à Beni et l'arrêt de la Cour constitutionnelle, l'ancien Premier ministre togolais a insisté sur les climats favorables.